Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau DevBlog Mars 2023 de Tank Squad. Pour commencer, l'équipe de développement a rajouté deux nouveaux chars à la liste des véhicules jouables dans le jeu. Nous avons en premier le Panzer IV Haus-H. Et en deuxième, le Panzer IV Haus-G. Par ailleurs, les développeurs ont eu quelques soucis de pathfinding dans certains niveaux où il faut avancer dans des zones étroites. Le pathfinding est la recherche d'un chemin le plus viable dans un niveau par l'intelligence artificielle. Celle-ci se bloquait ou essayait de monter sur des obstacles infranchissables. Les avancées des équipes sont visibles sur cette vidéo. Autre point, ils ont continué de travailler sur les conceptions de niveaux pour que ceux-ci soient le plus réalistes possible avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chemins boueux et très étroits dans les sous-bois ou les forêts, qui peuvent devenir vite un enfer à défendre ou à fuir lors des confrontations. Et pour rebondir sur le réalisme mis en exergue par les équipes de développement, un système spécifique a été créé pour l'immersion sous l'eau. Modification de la vision, de l'ouïe, et le danger de rester immergé s'accentuera en fonction de la durée d'immersion. Et oui, car en effet, durant les parties, il pourra vous arriver de perdre votre char ou de sortir pour effectuer des réparations, et donc en fonction de l'environnement, du combat ou dans la zone où vous êtes, il vous faudra peut-être nager, traverser des points d'eau ou des rivières. Et les effets sonores ne sont pas en reste aussi, et ils sont en cours de création. Nous avons la voix off, les notifications en temps réel via la radio, et d'ailleurs, si vous n'avez pas installé cette radio ou si celle-ci est endommagée, vous n'aurez pas accès à ces notifications et il faudra juste s'appuyer sur le résultat visuel du champ de bataille. Et aussi, en fonction de la distance, vous aurez l'explosion en premier visuellement et le son qui arrivera juste après. Et pour finir, on apprend que le didacticiel aura deux chapitres. Le premier sera la station de réparation où vous pourrez apprendre à réparer, à préparer le char et à gérer votre équipage. Et le deuxième chapitre, ce sera comment utiliser son char, les spécificités du champ de bataille et les combats. Et voilà, ce sera tout pour ce deuxième devblog de Tank Squad. Je vous remercie tous de votre fidélité et de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt les tankistes. Salut tout le monde !